Rendez-vous info. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis Studio 4, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Belizère. Y a un plaisir, on l'autre fois encore pour ensemble, pour nous un grand point cap dominé. Actualité, quelques grands points cap dominé, actualité ça. Actualité ici aux États-Unis, président Joe Biden annonce une grosse mesure soulagement pour immigrants qui vivent sans papier mais qui mariés avec un natif natal américain. Actualité dans la région Moyen-Orient, plusieurs milliers d'Israéliens manifestés dans la ville de Jérusalem pour protester contre la façon dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu a géré la guerre dans Gaza. Président russe Vladimir Poutine arrivé jeudi mardi 18 juin 2024 là, dans le pays Corée du Nord pour une visite de deux jours. Et puis dans le pays d'Haïti, individu Axam assassiné 4 personnes, 3 frères et une cousine dans Delma 33, pendant que PNH lui-même continue à mener opération dans Badelma. C'est point ça, yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Et gros nouvelle là, c'est président Joe Biden qui a annoncé dans un décret que le point pour protéger mari ou soit madame citoyen américain qui vivent illégalement depuis 10 ans ici aux États-Unis. Jean-Robert a suivi pour nous de très près dossier ça. Et Jean-Robert, et premier bagaille, nous t'a dit, ba nous moun qui qualifié dans le cadre projet ça, dans le cadre décret ça que le président Joe Biden fait ce point là depuis la Maison Blanche. Eh bien, bon Jacqueline, et je dis à moun qui qualifié d'abord c'est madame ou bien mari, un citoyen américain, mais qui au moins a vécu dans le pays pour, depuis 10 ans, mais qui était illégal, moun qui qualifié. Et puis, il y a tout, et sous moun jusqu'à hier, pratiquement jusqu'à 17 juin, et mais juste à l'y appliquer, mais il faut qu'on habite aux États-Unis, il faut qu'on vive aux États-Unis, il faut qu'on soit illégal, il faut marier avec un citoyen américain. Donc là nous disons citoyen américain ici aux États-Unis, président Joe Biden, là, nous disons citoyen américain, il est capable un citoyen, il capable yon un monde qui d'origine qui fait dans pays là ou bien un monde qui vient naturaliser américain Jean-Robert, si bien comprendre. Bon en principe Jacqueline, américain c'est américain, côté citoyenneté décapadition sous ça, il dit que il faut que son citoyen américain. Donc si tu es naturalisé ou bien tu né américain sous territoire de bouson américain, eh bien madame ou bien maou, yo qualifié pour yo, d'abord vin citoyen, d'abord vin résident, appliquer pour résidence, ensuite il est capable d'être citoyen américain puis devant. Mais son loi que président Biden dit que il permet que les gens qui sont dans le cachet parce qu'ils ne peuvent pas retourner dans le pays, ils peuvent être en résidence, et bien ils ne peuvent pas aller à pour éviter des problèmes, ils ont choisi d'être en limbo et ils demandent pour sortir de l'eau, qu'on ait décret ça, les favoris pour eux, ils ont faire application pour venir en résidence américaine, et puis devant, venir un citoyen américain. Jean-Ben, en général, là, fait décret ça, il a toujours parlé de dreamers. Yo. Ça veut dire, si vous êtes entré avec parents, aux États-Unis, vous n'avez pas quand même connaissance, même dreamers. Yo. Est-ce que ça décret ça a un rapport avec eux? Alors, on a dit qu'en 2012, ça, et président Biden était vice-président et président Obama à l'époque-là. Là que président Obama a fait et a pris un décret tout pour te favoriser Timon Sayo et le DACA, c'est des dreamers, c'est Timon qui a privé et qui est venu dans le pays de façon illégale avec parents parce que Timon n'a pas aucune responsabilité dans ce qui est passé. Donc, Timon Sayo était dans le pays, il n'a pas connu aucun autre pays que les États-Unis, c'est là qu'il va aller à l'école, c'est là qu'il va apprendre le métier, et bien, président Obama te prendre que ça peut. Mais je dis encore, il y a un pile qui vient des professionnels, et bien président Biden, des guides, on parle de marche à suivre, pour que tout le monde soit même capable de appliquer tout pour qu'il y ait une résidence. Alors, Jacques, il faut m'oublier pour dire que tout le monde, par exemple, qui prend naissance, ou bien tout le monde, petit citoyen américain, ou bien citoyen, qui a vécu dans le pays illégalement, qui a moins de 21 ans, et bien, il y a même tout. Pourvu que il n'a pas un citoyen américain, et bien tout le monde qui était illégal, dans le pays à tout, ils ont même tout, ils ont capable d'appliquer pour une résidence sans ne pas quitter les États-Unis. Jean-Bernard, nous connaissons que les questions d'immigration sont des questions qui sont très sensibles, surtout que nous avons une année électorale. Est-ce que y a une réaction du côté républicain, du côté démocrate, sur la question ça, nous connaissons à 5 mois environ de l'élection présidentielle, donc 5 novembre 2024. Là. Quelle réaction que sortit après le décret présidentiel ça?
La première réaction de Jacqueline, c'est un porte-parole et campagne président Donald Trump, qui considère la décision ça comme une amnistie. Et il dit que président Trump et ancien président Trump, qui est candidat à parti républicain pour l'élection présidentielle 2024, et bien, s'il remporte l'élection, il a parlé promesse pour le faire, promesse qu'il a fait pour que lui-même lui applique la loi et que écraser le décret ça qui va mounir amnistie, j'en que je considère là. Pour beaucoup de démocrates, il y a une sénatrice et Massachusetts, là, Elizabeth Warren, qui lui-même bat bravo pour la décision. Il dit que le président Biden utilise exactement les outils que il a dans pour que les familles unifiées. Et que c'est ça qui fait valeur américaine. Il y a l'autre sénateur républicain, c'est Bill Cassidy, lui-même, qui est sénateur Louisiane. Et bien, lui-même, il dit que son bail, il dit que le président Biden, c'est le président Biden, et cuit un gâteau et lui mange gâteau pour côté. Il y a un côté, il prend mesure dernièrement là pour le serrer boulon. Immigrants qui sont sous frontière qui viennent demander asile pour dire que n'ont pas qu'à demander asile. Et l'autre côté, il voulait faire plaisir avec mon démocrate progressiste pour le dire que bon licencié avec sentiment ça pour qu'un bif famille unie et bien il a quitté tout le monde et rester dans le pays. Donc c'est une déclaration mi-figue mi-raisin, mais normalement les républicains ont des outils dans le pays pour continuer à critiquer le système d'immigration et l'administration Biden. Mais cependant, il y a l'autre démocrate qui dit que il croit que mesure ça il est temps pour un changement qui fait. Il faut qu'on regarde lui-même, il travaille qu'on y a là pour passer une sorte de proposition de loi pour justement résoudre le problème d'immigration et permettre que et tout le monde qu'on y a une meilleure façon pour aller, pour rester dans le pays et faire avancer. Donc, c'est les républicains, c'est Sherrod qui sont démocrates. Mais même, il dit quoi que son mesure qui est difficile, c'est vrai, mais il dit qu'on a ses responsabilités aujourd'hui pour que l'IA adopte des mesures qui pour résoudre le problème d'immigration, Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, sous dernier gros décision ça qui se prend là côté que président Joe Biden depuis la Maison Blanche lui-même t'a annoncé décret ça. Merci Jean-Robert Philippe. Et puis l'autre point dans actualité à c'est président Ruslan Vladimir Poutine qui arrivait dans Corée du Nord et faut dire que visite ça fait dans moment que l'OTAN lui-même avec les États-Unis yo critiqué décision ça dans Washington DC même. Nous allons rejoindre Sandra Lemaire. Le moment président de la Russie Vladimir Poutine a voyagé dans Pyongyang, Corée du Nord, mardi pour une rencontre au sommet avec les deux pays Sahara, Kim Jong-un, responsable l'OTAN avec les États-Unis, critiquait visite là. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit journaliste dans Washington que la Russie a essayé Corée relationner avec pays qui kabali sale besoin pour continuer agression li contre Ukraine. North Korea is providing significant munitions to Russia. Il dit Corée du Nord a fourni la Russie un paquet de munitions importants à l'autre ZAM qui a servi contre l'Ukraine. Iran fournit le gros ZAM lourd à drones que les servis contre civiliaux et infrastructures civiles. J'en ai déjà dit, nous avons gros qui a sauté par rapport à la Chine. Pas à cause ZAM là-bas, mais plutôt la fourni la Russie sale besoin pour que l'industrie défense russe là capable de produire plus tanks, plus munitions avec missiles. Jens Stoltenberg a visité Washington semaine ça, critiqué la Russie tout. Putin's visit to North Korea demonstrates and confirms the very close alignment between L'idée visite Poutine en Corée du Nord montrer et confirmer la Russie cocotte avec Figaro, avec régime seul coq chanté par élite en Corée du Nord et bitou la Chine avec Iran. Avant d'y arriver Pyongyang, Poutine te remercié Corée du Nord pour support li bay Moscou par rapport à l'activité la menée dans Ukraine et puis dit pays yo pral coopérer serré pour lever défi sanctions États-Unis opposé pour yo. Commentaire Poutine paraît dans un éditorial que Média Corée du Nord a publié quelques temps avant l'été débarqué pour une visite qui a duré jusqu'à mercredi. La Russie dit Poutine a intention de renforcer relations bilatérales face à confrontation avec Washington qui a intensifié.
Corée du Nord, bon côté Pali, en bas sanction sévère, Nations Unies, pour tel programme missile nucléaire l'IA. La Russie même a fait face avec sanctions États-Unis à calier occidental, y ont mis sous dole, à cause agression li dans Ukraine. Autorité américaine et sud-coréen y ont dit, échange militaire, économique, à l'autre échange encore, augmenté en pile depuis Kim Jong-un, rencontré Poutine dans le mois de septembre année passée dans la région extrême-orient la Russie. C'était la première rencontre face à face depuis 2019. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Actualité à mener nous dans la région Moyen-Orient, côté plusieurs milliers de Palestiniens israéliens plutôt prennent la rue Jérusalem, donc dans le pays Israël, pour dénoncer façon Premier ministre Benjamin Netanyahu à mener guerre dans Gaza. Gentil Augustin Junior, gain détail. Manifestants anti-gouvernementaux te prend direction Jérusalem à hier lundi 17 juin 2024 là. Pour mander une élection avant l'heure, pour remplacer Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui yon l'autre fois encore, chita nan tête youn nan coalition qui pile à droite nan histoire Israël. Processus guérison pays Israël là, commencé ici là. Li te commencé semaine passée ya, les Benny Gantz ak Eisenkot te quitté coalition. N'a continué processus ça. Et puis, espérer que gouvernement ça, pral démissionner bientôt parce que s'il n'y pas démissionner Israël pas si vive. Yon gouvernement unité pendant la guerre effondré ça fait yon semaine. Les deux anciens généraux centristes Benny Gantz et Gadi Eisenkot te démissionné. Agenda intransigeant yo te la cause yon gros division dans société israélienne même avant attaque Hamas 7 octobre 2023 qui te provoqué la guerre en Gaza. We have to replace this. Nous devons remplacer mauvais gouvernement ça. C'est temps nous. 120 otages yo toujours dans Gaza. Nous devons remplacer gouvernement. Ça, c'est la seule façon pour nous faire retourner et récupérer Israël. Pays nous remet en pile là. Nous devons continuer goumer, nous devons continuer manifester jusqu'à ce que nous récupérer Israël. Pendant coucher soleil là, yon foule moun te rassemblé devant parlement Israël là. Et yon te planifié pour yon marcher al devant kay privé Netanyahou dans ville là. En pile te levé drapeau israélien yo. Gen lot ki te pote pankat ki critiquait traitement Netanyahu nan problème important yo. Hope that the Israeli people will come. Mwen espere ke pep Israël la pral sorti en foule pou di ase ak gouvernement israélien yan ak Netanyahu. Et mwen espere ke sa se joua pou commencer changement nan destruction ke Netanyahu te fè nan yon révolution. Et puis ensuite revive société israélien ak pep Israël la. Pendant pep la a manifesté pour déchouquer gouvernement, Premier ministre Benjamin Netanyahu sou yon l'autre bord a mandé États-Unis pour le pas retarder des armes et munitions li t'a voyé ba Israël là. Secrétaire Blinken t'a assuré que administration a travaillé la journée kou la nuit pour éliminer blocage sa yo. Moi certainement espéré que c'est car l'état doué car pendant deuxième guerre mondiale là Churchill t'a dit États-Unis ban nous outils yo nous pral faire travail là. Et moi, m'di, ban nous outils yo, et puis nous pral fini travail la pi vite. Yon drone te montre yon full moon qui t'a manifesté depuis samedi 15 juin 2024 là contre gouvernement Premier ministre Netanyahu pour façon la gérer crise la guerre cap continuer ak sa yo considéré comme yon échec pour joindre yon accord à groupe armé Hamas là. Malgré gen plusieurs arrestations, protestation pas campé. Manifestant yo di, objectif là, c'est déchouquer gouvernement ça et mandé yon élection en vain les. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Ou toujours sur VOA Creole, on va suivre un programme dans langue créole haïtien actualité concernant le pays d'Haïti dans un petit moment. Oui, ou fait le bon choix, ou choisi VOA Creole pour informer ou actualité à notre pays d'Haïti et bandi ak zam assassiné 4 moun nan seul famille nan Delma 33.
Moun sa yo ki assassiné an dans la caillou, c'est Reynold Pierre, Widolf Pierre, Rinaldo Pierre, trois frères et Jamesla Maslin, yo présenté comme cousine monsieur yo. Selon juge de paix qui t'a le fait et constat, cadavre victime yo te chargé ak troubal. Si constance zak assassinat et ça arrêté jusqu'à présent flou selon autorité la justice yo. Pendant ce temps, gen police nationale là, li même qui continue à mener opération nan Badelma avec objectif pour déchouquer et gangamer qui nan zone nan, mais poko genyen et bilan sous opération que la police a mené nan Badelma. Toujours concernant le pays d'Haïti, nouveau ministre finance là, Kathleen Florestal, promet cette réforme pour rationaliser dépenses et encourager investissement public et privé dans l'idée pour augmenter croissance économique. Yves Manuel, c'est correspondant à nous, dans Port-au-Prince. Premier ministre Gary Conny installé lundi 17 juin, nouveau titulaire ministère planification et coopération externe, qui c'est en même temps ministre économie et finance, madame Kathleen Florestal. Chef gouvernement dit il compter sous compétence et dynamisme ministre dans l'idée pour aider redresser situation. L'accession à ce poste de grande responsabilité lui confère une obligation de résultat qui fait écho aux attentes de la population aux abois depuis plusieurs années. Ce ministère qui se situe en amont et au cœur de l'action gouvernementale est parfois soumis à des situations ubuesques et à des années-lumière de sa véritable mission qui est d'irriguer la gestion publique de politique rationnelle d'une méthode d'action et une mise en cohérence des initiatives gouvernementales. Fraîchement installée dans Post-Li, Mme Kathleen Florestal a profité de remercier membre conseil présidentiel transition et premier ministre le fait que ont confié le portefeuille ministère économie et finance avec planification et coopération externe. Madame Kathleen reconnaît tâche la loue et gagne un pile dossier brûlant Captain Ni. Ces deux ministères, le MEF et le MPC, ont un rôle exceptionnel à jouer dans la relance économique, la création d'emplois et par ricochet la réduction de la pauvreté et le renforcement de la santé physique, mentale, sanitaire de la population. Je sais que la tâche sera lourde. Je sais qu'il y a beaucoup de dossiers brûlants et probablement beaucoup plus. Investissement public, assainissement finance publique, c'est quelques gros défis, Captain, nouveau titulaire MEF. Cérémonie investie, nouvelle ministre économie et finance, déroulée en présence ministre sortant, Michel-Patrick Boisvert, gouverneur Banque Centrale, représentant Cour supérieure des comptes, sans compter des cadres dans le ministère économie et finance. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Pouvez ou à créole. Merci Yves Manuel. Pendant ce temps, toujours gain débat dans le pays d'Haïti concernant mission et multinationale pour aider, pour appuyer sécurité dans le pays d'Haïti. Gain plusieurs, nous connaissons que gain président pays Kenya, William Ruto, qui t'a déjà dit dans deux semaines, tap gain force que en premier contingent a commencé. Donc, jusqu'à présent, et toujours manqué confirmation sous qui les forces ça a entré. Gain pile information qu'a sorti dans Nairobi, gain information qu'a sorti tout dans le pays d'Haïti. Mais jusqu'à présent, pour qu'on gagne une date officielle qui fixée pour qu'est-ce que ça? Eh bien, nous-mêmes dans VOA Creole, on a essayé de joindre le maximum d'informations pour nous porter pour vous concernant et question ça. Et puis, il y a un groupe qui est le Petro Challenger, nous sommes groupe ça, eh bien, c'est un groupe ça qui demandait pour le Premier ministre Gary Conny pour prendre toute disposition pour faire réforme nécessaire dans l'administration publique pour goumer contre corruption et insécurité. Plus de détails avec Ona Toussaint depuis Port-au-Prince. Premier ministre Gary Conny, dans une déclaration, t'a dit, il prend la bataille contre corruption, insécurité, il prend le fait réforme nécessaire tout, dans l'administration publique là, pour capable améliorer situation sociopolitique et économique là, en Haïti. Une déclaration qui joint approbation, groupe Petro Challenger, nos papes complices, que Ricardo Florido a dirigé. Ricardo Florido a demandé PM Gary Conny, prend toute disposition pour permettre à ce que citoyens cap recevoir transfert à l'étranger yo touché comme yo en Haïti en dollars américains. On parle de économie robuste, mais plus gros bagaille presse là dans le pays a dans monde, c'est décret ça nous connaît Jovenel Moïse depuis 17 juin qui était modifié décret 6 juin 89 là qui permet que pas personne dans journaliste qui là sur si un corps pour pas prendre un goût
ou pas prendre dollar. Yo exige au moins comment pour prendre cobla. Le pire, yo te mande fois ou vont carnet banque pour mettre cobla dollar pour malgré ouvrir carnet banque là, l'oral derrière l'argent yo dit pas capable roule. Je pense que le premier bagage pour Gary Conniff, c'est le fin de résoudre le problème de sécurité. Le décret, ça faut le modifier pour le voir et le jeter. Parce que lui affaibli la classe moyenne. Je parle avec un monde dans la classe moyenne qui a une famille qui est directeur en banque. Pour le jouer 10 000 dollars américains pour l'acheter à l'étranger, c'est tout un casquette chinois. Je n'ai pas besoin de dire pour nous-mêmes qui a fait tirer fort dans la classe moyenne pour nous vivre. Comment pense que vous parlez de nos économies robustes? Ou classe moyenne non lui-même il pas acheter, il pas faire business, c'est comme si dollar arrêté dans mon seul groupe monde, dans mes groupe monde qui gagne banque simplement. Depuis sous administration ancien premier ministre Ariel Henry, un peu le ministre installé bureau yo dans hôtel à cause problème insécurité ya qui empêche yo aller dans bâtiment que l'état haïtien réservé pour ça. Jonathan Renoir souhaitait premier ministre Gary Conny prendre toute disposition pour corriger situation ça. Il n'est pas normal pour nous continuer avec la même pratique équipe Ariel là. Et commencer, le fait que ensemble des ministres, c'est dans l'hôtel, il y a loué pour mettre le bureau, c'est dans l'autre espace, il y a loué pour mettre le bureau, pendant que l'espace l'État était vide, cause insécurité, il n'y a pas de descendre pour aller dans le bureau. Nous connaissons que nous avons force de l'ordre, nous avons la police et nous avons l'armée d'Haïti qui a une responsabilité et mission pour la sécurité dans le pays. Et bien, PM Gary Conny doit mettre tout disposition en place dans la police là, dans l'armée pour que nous portions solution avec ça pour que nous suspendions, gaspiller l'argent pays dans louer hôtel pour loger bureau yo, pendant que espace l'État n'a pas jamais descendu là-dedans pour raison insécurité. C'est un dossier à suivre. Renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Donc, question insécurité a toujours dans l'actualité et pour un pile observateur, pour un pile analyste, c'est yon un gros défi qui devant et nouvelle équipe gouvernementale là, que ce soit Premier ministre Gary Conny ou bien Conseil présidentiel et transition. Donc, yon toute responsabilité par rapport à l'insécurité a. Nous t'en dis ça qui passe dans Delma, côté que gen 4 moun qui mourit dans yon seule famille. 3 frères avec yon cousine et nous tende tout déblosaille qui fait dans zone Terre-Neuve côté gon paquet moun qui perdu la vie. Donc c'est pour dire que question insécurité a toujours dans actualité a et que gang yo même yo pas chômé et que pendant ce temps eh ben en pile question à poser sous force multinationale qui gagne pour entrer dans pays d'Haïti. Et puis nous prenons dans le département nord pays a et ben gain ancien sénatrice Dieudonne Numa Etienne, conseiller membre conseil présidentiel transition qui sorti dans le département noir et ben chita ensemble pour continuer à divers chantiers tant que route nationale numéro 1 avec courant électrique qui était lancé sous ancien président Jovenel Moïse. Il demandait que gon paquet et projet qui était sous Jovenel Moïse pour relancer. Reportage correspondant nous dans ville Cap-Haïtien, deuxième ville pays, Gérard Maxino. Ancien sénatrice département Nord, Dieudonne Numa Etienne, bat bravo pour arriver docteur Gary Conny dans tête primature. Ancien parlementaire a dit li souhaité nouveau PM lan ak membre conseil présidentiel transition mette tête ensemble pour travail pour changement ak développement pays d'Haïti. Pendant que moi même m'a félicité à Dr. Gary Conny avec tout gouvernement qui est installé pour tant transition ça. Moi-même, m'a profité pour demander M. Damio mettez toute énergie au profit de un changement pour le pays. Parce que tout Haïtien qui a vivé en Haïti ou a vivé à l'étranger, réalisez que ce n'est pas le pays qui a problème, mais c'est nous-mêmes, Haïtiens, qui a problème. Donc, il faut qu'on résout le problème. Ancien parlementaire Noa, qui était élu en Babanière, parti haïtien tête calée PHTK, mandé membre conseil présidentiel transition qui sorti dans le département Noa, continuer certains chantiers ancien président Jovenel Moïse a commencé. Un ensemble de projets, un ensemble d'activités qui t'a fait dans le département. Moi-même, rappelez moi c'est un fait en Limbé, lorsque le président qui m'a mal assassiné, le président Jovenel, que m'était accompagné, pour nous lancer travaux pour tronçon route
tronçon route ça qui sorti de Kankok pour arriver et Vaudreuil. Donc tout un ensemble de chantiers pour faire courant 24 sur 24, non seulement dans la ville Cap-Haïtien, mais dans plusieurs autres communes dans le département. Chantier pour faire tronçon route. Gardez aujourd'hui à la situation et l'eau a sorti Saint-Raphaël pour entrer dans la ville Cap-Haïtien, pour entrer de Barrière-Battant. Gardez situation tronçon route ça. Donc, un ensemble de chantiers, moi, je crois que. Ok, on continue. Dieu donne l'humain, Étienne, dit gouvernement transition, pas ta douée longue. Yo supposé dégager ou mettre machine électorale là sous pied une façon pour gagner élection qui est organisée dans pays a Jira Maxino Cap Haïtien pour la foi de l'Amérique. Donc définitivement et non seulement question ça mais question insécurité a toujours dans actualité a, et d'après un rapport Nations Unies entre janvier et décembre 2023 gain 128 timoun mourir en babal selon un rapport Nations Unies et d'après Organisation Internationale pour Migration OIM quantité citoyens en Haïti qui courir quitter caillou à cause activité gang yo qui intensifié depuis mois mars là rivé à presque 600,000 donc c'est yon accent que yo mette sou moun kap déplacé yo c'est un coup par exemple Philippe et Brancha qui chef organisation Nations Unies en Haïti et ben il dit chiffre nous ouais jodi a c'est conséquence directe année violence ça kap augmenté pour rivé dans yon niveau qui piwo passé ça nous t'est enregistré en février avec impact humanitaire catastrophique yo. Il dit crise là qui pas jamais suspendre en Haïti et ben li a forcé pi plus moun courir quitter caillou et puis quitter toute bagaille derrière ça veut dire la caillou et gan pile moun qui obligé à le réfugier dans plusieurs villes et provinces. Donc situation ça qui rend et ben compliqué et c'est yon nan gros défi qui devant et nouvelle équipe là on a parlé de Premier ministre Gary Conny avec conseil présidentiel transition yo et yo même yo déjà dit que y a attaqué problème là et tant qu'on nous capable tendre dans nouvelle là et ben la police lui-même li a metté les bouchées doubles et il commencé mener plusieurs opérations dans Delma et puis l'autre gros point dans actualité c'est Bouillon Boule qui gagne là dans Coupe d'Europe des Nations pour et ça fait sensation hier dans match qui te gagne mettait Autriche avec Espagne face à face au match que la France gagne 1-0 mais gagne Kylian Mbappé superstar équipe française là et ben qui gon problème nan né qui ka nen ta cassé yo t'a parlé de opération mais finalement gagne là yo ravisé yo et monsieur pral jouer avec yon mas mais yo dit yo pas veut prendre trop risque avec Kylian Mbappé parce que et ben yo dit yo pas prendre risque avec donc des matchs que la France gagne pour jouer contre la Hollande là donc le grand absent dans match ça c'est pral Kylian Mbappé devant et devant la Hollande qui c'est une gros équipe dans mondial là et puis jodi a tout gon l'autre match tête chargé gagne monde qui fanatique et superstar monsieur Ronaldo et ben Tchèque a joué contre et dans moment on a parlé là Tchèque a joué contre et Portugal et Tchèque gantan marqué yon gol nan 62e minute de jeu c'est Provode qui marqué gol là pour Tchèque 1-0 malgré et domination que Portugal fait nan premier mi-temps avec possibilité même que Ronaldo ta marqué mais et ça pas fait nous connaît que Ronaldo avec l'âge de 39 ans il faut le faire et ben monsieur a joué comme superstar pour pays Portugal donc même match là a joué qu'on a nous pas connait qui résultat si on garder nous en différé connaît que et ben du bon côté qu'on résultat les n'a tel tabay be commenter ça yo en direct donc match à 1-0 en faveur République Tchèque sous Portugal avec monsieur Cristiano Ronaldo à 39 station nouveau DG la police à Ramon Ormil li vraiment et attire attention en pile ambassadeur pays qui accrédite en Haïti qui eux même réagi sous question installation Ramon Ormil comme nouveau DG la police non. Grand ambassadeur aux États-Unis à crédit en Haïti, Dennis Hankins, monsieur qui était présent à l'installation, lui félicite Rivé DG Ramon Ormil dans la police, non? Et lui promet, il prend engagement à travers, comme si lui-même comme ambassadeur, n'a parlé de Dennis Hankins, et qui
dit clairement que États-Unis a continué à accompagner l'État haïtien. La police et États-Unis a continué à accompagner l'autorité haïtienne pour comment que pour être capable de résoudre ensemble problème que Haïti a fait face à yo. Et en même temps, tout, l'ambassade des pays Canada, l'ambassade des pays la France, ils ont même qui félicité Rivé Ramon Amil comme DG la police. Et n'a dit que ça fait une deuxième fois que Ramon Amil retourne dans la police. Ça comme DG, comme directeur général AI. Alors, premièrement, il n'est pas directeur général AI, il est directeur général tout court, sous Jovenel Moïse. Mais là, il s'est directeur général AI, ça veut dire que il a pris un petit bout de temps pendant la période de transition. Et n'a rappelé que Ramon Amil, monsieur était directeur central police judiciaire dans DCPJ, et c'est là qu'il était sorti pour capable de venir DG la police. Et en pile monde, pas si je peux féliciter Ramon Amil, les qu'il était DG, les qu'il était directeur central police judiciaire, et il est félicité pour mon travail qu'il était qu'on fait dans tête et DCPJ, parce que c'est sous Ramon Amil, selon un pile monde, qui ont ensemble de gros chefs gangs qui étaient arrêtés, selon ça que il dit. Je dis, hein, en plus, on attend que mais Ramon Amil avec recommandement la police, non, CSPN, gouvernement Gary Conilan, conseil présidentiel, il attend que yo ben résultat et yo délivré marchandise qui c'est permettre que gagner ça relais sécurité qui établit dans pays, hein, permettre que la vie capable reprendre dans pays d'Haïti et permettre que pays capable vivable pour que moun pa gen l'espoir quitter Haïti pour aller chercher la vie meilleure l'autre côté pendant que c'est risqué à risquer la vie yo, soit sous la mer soit de l'autre côté encore à travers le monde. Je dis, hein, Haïti doit tourner au pays côté que Haïti est capable de vivre là-dedans. Haïti doit tourner au pays côté que diaspora haïtien capable de rentrer la caille. Haïti doit être un pays côté que aimer chaque grain étranger capable de sortir à l'aise pour capable de rentrer Haïti, soit à visiter ou dire que à investir en Haïti. Parce que je dis, hein, si pas gain investissement, si pas gain sécurité pour permettre que quelqu'un qui investit pour créer des jobs, pour créer du travail, mais n'a fait qu'à arrêter dans la situation qui est là et Haïti pas jamais sorti dans le miracle là. Et n'a dit que PM Kony a annoncé, il a organisé deux journées retraite et il y a ce deuxième journée retraite, journée samedi 22 juin 2024. Là. Qui ça cap discuté pendant deux journées retraite ça yo? Est-ce que yo pral mettre intérêt pays dans mitè discussion yo? Est-ce que yo pral garder comment que yo pral aborder ensemble de situations, ensemble de problèmes que peuple sa qu'on est là et souhaiter que c'est ça cap discuté dans deux journées retraite ça qu'a fait mais avec gouvernement que Gary Kony lui-même t'a annoncé. Désolé, est-ce que mon frère. Bien, situation, nous, bel et bien forme, content de rejoindre dans l'espace à vous présenter, et M. Saki, c'est parler pour changement qui pourra permettre que les amis internautes informés de tout ça qui a passé en dedans pays, parce que situation de Jean-Jules Yabvin Pitris, il a annoncé plus de douleur, ou si là, qui n'a diaspora qui a prétendu que le pays a bon, pour au moins pour retourner la caille, pour venir vivre, pour venir chercher un lien d'espoir, pour venir prendre un petit repos. Malheureusement, situation, chaque jour, à 24 fois, plus compliqué presque chaque jour. Nouveau DGPNH là, et Nomil Rameau, et gagné 15 jours pour prendre responsabilité pour résoudre des problèmes d'insécurité qui permettent que mon lieu de traverser ensemble et territoire qui déclaré comme territoire perdu. 15 jours à 3 pitié, c'est désir. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ultimatum coordonnateur collectif syndicat haïtien pour respect constitution 87 ans, dit Claude Benissois, qui lançait l'ultimatum ça by Nomil Rameau pendant l'installer comme directeur police nationale d'Haïti pour un petit bout de temps. Mon lieu qui fait quoi que vous pas attendre encore? C'est 15 jours que vous baille Nomil Rameau pour louer. Est-ce que il y a volonté pour attaquer gang yo dans dernière rigueur pour permettre que sécurité établie en dans pays à Place Peterson. Gain divers autres dirigeants des structures ou organisations politiques qui prennent des positions tant que Ricardo Fleuridor qui fait qu'on est si pas une volonté politique problème insécurité a pas jamais résoudre en dedans pays a et quoi que corruption qui en dedans pays a c'est gros dossier que ministre Gary Kony pral gagner pour lui aborder pendant responsable dans ILCC Hans Joseph APC docteur ouais qui gens qui prend de l'autre niveau dans bataille contre corruption qui a fait en dedans pays a pour aller rencontrer les réseaux qui a combattre la corruption à travers le monde là sous 286 pays pour au moins permettre qu'il aura poursuivre tout volet tout assassin qui fait partie réseau criminel qui a dilapidé fonds de trésor public et puis vider insécurité tout partout. Mauvaise nouvelle pour la commune Petite Rivière de la Tibonite. Après, il y a un gros appli qui t'a tombé dans la commune Lacaïnou, côté nous sortir dans Petite Rivière et dans la journée qui était 21 juin 2024 là, eh bien, et on partit dans Mirail, fort la crête à Pierrot, rivé tombé. En plus, le monde t'a regardé.
comme déboulon haïtien, en pile moun yo ta ka gade le tout, comme irresponsabilité autorité dans l'état qui pa bay et lié touristique ak historique yo valeur qui permettent que on parti nan fò la kèt a Pierrot vidé après la pluie qui t'a tombé 21 juin. Marie-Elisabeth Régine Joseph Abdad, c'est non secrétaire général Palais National pour moment li remplacer Josier Pierre-Louis qui passait plus passé de l'année dans tête et secrétariat et Palais National en pile moun te gen et des dénonciations contre lui pour faire quoi qu'elle gen relation avec gang en pays, eh bien, monsieur, pas non, Palais National encore. Signature, qui est pour avec question, accord, sous statut, mission multinationale, pour appuyer sécurité à pays d'Haïtien, je vais essayer de regarder dans journée 21 et juin 2024, là, eh bien, représentant par intérim pays d'Haïti dans OEA, nous voulons parler de Candy Thomas et ambassadeur pays Kenya aux États-Unis, hein. Nous voulons parler de Lazaru qui et Omario. Qui essaie donc de regarder qui est capable d'essayer d'avancer sur dossier force multinationale qui a dû rentrer dans le pays pendant gagner administration Biden non, aux États-Unis d'Amérique, département d'État, qui entendent pour te débloquer pendant semaine l'explication. Il a fait des 9 millions qui capable de 109 millions pardon qui peuvent permettre que monsieur débarquer en dedans pays d'Haïti et surtout policier kenyan que peuple haïtien monter que pas attendre. Il va pas attendre. C'est ça qui cause bien des marchés pressés qui a fait là l'explication. Même gens avec ministre défense pays qui mandait avec Jodel Lesage, le commandant-chef de l'armée d'Haïti, pour mettre en condition de combat l'armée d'Haïti pour faire face avec situation difficile que le pays a connu avec question insécurité. Et là tout, il y a divers anciens militaires, divers syndicats, diverses associations qui disent que ce n'est pas ministre défense qui vient droit pour prendre décision si là pour mander avec Jodel Lesage pour mettre l'armée en condition et de ou bien et en position de combat qui permettre de faire face avec insécurité que pays a fait face à. Puis le monde river comprendre ces planifications ou bien envie que les États-Unis a joué avec diverses associations ça pour empêcher que l'armée ali opérationnelle malgré diverses promesses que monsieur Damio dans le conseil présidentiel là il fait déjà pour dire que l'armée a opérationnelle. Premier ministre Dari Koni lui déclarer l'armée avec la police prend le principal rôle mission pour permettre que pays a sorti dans sa lia, mais il y a des associations qui voient bagala autrement Blaise Peterson et amis internautes qui branchent tout partout. Il y a des félicitations Cabral Jeune Normil Ramon parce que il prend tête police nationale d'Haïti c'est cas est responsable dans pire au niveau dans commandement la police qui entend il fait quoi que niveau sagesse à courage détermination qui pratiquement gagne bon côté Gary Koni l'a fait face avec situation difficile que pays a trouvé là. Donc pour te dire les situations divers ambassadeurs qui ont dans pays qui représentent leur pays yo, eh bien yo bat bravo yo dit que yo paré pour continuer collaborer avec Normil Rameau pour pratiquement vini et bay pays à sécurité et gagne diverses organisations qui continuent kembe batou pèlerin yo les personnes qui mandé arrestation France LB après fin quitter tête police nationale d'Haïti. Desi Venes, je crois que ensemble de points ça que nous pral analyser, nous pral garder là avec les amis internautes nous yo et ceci certain que j'aime toujours faire Desi Venes dans émission parler pour changement toujours ça les amis yo. On garder nous en bas yo quelques amis pour nous saluer mais bien que nous on est, il y a des amis qui pas capable là mais entre-temps on garder qui est-ce que nous capable saluer nos des amis qui yo même pas j'aime pas suivre émission nous yo. Bon, qui, non, t'es tristant, les affaires salutations, nous toujours passé pour Marie Nosifor, Marie Zana Xavier, Marie et Marie Jasmin, qui toujours avec nous. Nous voulons parler Jenny Baptiste, qui par exemple pas avec nous tout, Janine Petit Homme, Immaculée La Fleur, et Fondation Chris Capable, qui toujours avec nous. Nous disons ça, merci en pile, parce que, yo toujours entendre, pour faire la route avec nous. Et Nino TV, big up pour mon frère, nous content, parce que toujours avec nous. David Sager, Will Nachal, qui toujours avec nous. Nous disons ça, merci en pile. Et nous, c'est tout bien. Lalanne Saint-Aubin, qui est toujours avec nous, nouveau remerciement spécial, parce que Mounsa a aidé, travail nous, nan niveau, côté lié, Blaise Peterson. Immaculée La Fleur, qui pas j'aime pas là, Charles Lego, Alfares Dossou, qui toujours avec nous, nous dit le grand merci, nous comptons pile, Jean-Robert Latour, qui pas j'aime pas avec nous, Denis Wilda, qui toujours avec nous, Blaise Peterson, nous saluer Gessner et Saint-Hilaire, qui toujours grand nous dit grand merci, parce qu'il est toujours avec nous, Marie-France El Moniz, grand merci, parce que, ou pas j'aime pas quitter commentaire, on a cadre émissionnaire, nous saluer Beau et Jean, qui toujours avec nous tout, nous dit Mounsa, merci en pile, parce que, yo toujours avec nous. Nous saluer Robin et Soliska qui pratiquement te quitté yon super tanks avec $2 pour nous. Nous dit merci en pile parce que li estime que travail là li important, li bay participation nan niveau qu'elle capable nan super tanks et en plus l'autre ami qui a utilisé moyen ça pour supporter travail mais ça nouvelle Janoué et Janoué Robin essayer donc faire là nan sens pas. Merci et Robinson pas c'est Robinson Eliska qui fait super tanks. Nous saluer Mimose Jean-Charles. Merci en pile mon frère parce que ou toujours avec nous. Nous saluer Wilson et Bosiko qui toujours avec
avec nous, Blaise Peterson. Nous disons grand merci pour le voyage, li, pour la confiance que vous placez dans nous. Nous saluons Mona Christ depuis un bon bout de temps, qui n'a pas remarqué la présence. Li. Eh bien, il retourne à la calée, nous dit merci un pile. Nous saluons Marcos Mespier, merci un pile, mon frère, parce que vous êtes toujours avec nous. Nous saluons Nanette Beaubrun, qui est toujours avec nous, Blaise Peterson. Nous dit merci un pile, parce que nous ne savons pas décider la gaine pour Yomai. Nous saluons Charlot Grand, qui est toujours avec nous. Merci un pile. Immaculée la Fleur, Immaculée la Verneuil, merci un pile. Nous saluons Marcel Simon, qui pratiquement pas jamais la gaine qui rejoint famille et au fait quoi, yo apprécier travail qu'elle a fait parce que travail arrivé sur yo, va arriver sur yo, nous informer yo dans tout ça qui vient comme actualité en dedans pays. Nous saluons Pasteur qui pratiquement toujours avec équipe là, nous dit le grand merci, ça fait nous grand plaisir. Nous saluons Haïti 1804 qui quittait commentaire dans cadre émission yo, qui dit et gèlè c'est gang Timakaka qui pas servi avec ancien DG France LB qui fait les démantèlent, il réagit sur ça qui vient pour avec question et bilan que France LB a fait dans sortie pour dire craser gang Timakak et bien fait quoi Haïti 1804 dit que semble gang ça pas pour France LB qui fait France LB craser il t'avait zombie ça pas le faire nous connaît que toute l'autre gang c'est pour France LB qui fait le pas jam attaquer qui fait li livrer ensemble des commissariats ensemble des bases dans pays ba gang pour faire ça ouvrir. Nous saluons Liberty qui toujours à nous blesse personne, nous dit merci en pile parce que lui qui te commentaire. Nous saluons Claudette et Sylverté. Merci en pile Claudette, ça fait nous grand plaisir. Nous comptons ouais commentaire parce que ou toujours à nous à coup. Jean Blaise Peterson te dit la Saint-Aubin qui passe en bas nous, ça fait nous grand plaisir. Les loués Mounsayo, lui fait comprendre que le travail est important, il est nécessaire. Il réagit, pas oublier pour salutation. Et ses réactions, commentaires, mettez tête que tu as écouté, que tu as regardé, ça va permettre que nous saluons. Il n'y a pas besoin de trop gros exigences. Yveline, merci en pile parce que toujours avec nous. Franzi Chol, merci pour écoute, mon frère. Ça fait nous grand plaisir. Nous saluons Mackenzie Sefer, qui pratiquement toujours fait la route avec nous. L'explication nous dit mon soeur, merci en pile parce que il a aidé le travail à arriver dans un niveau, peut-être nous pas déjà imaginé. Nous saluons Asnel Joseph, pardon, qui toujours avec nous. Ça fait nous grand plaisir. Nous saluons Davilma Dienes, qui toujours avec nous. Merci Davilma Dienes. Nous contents parce que nous toujours avec nous. Gedam, qui toujours avec nous. Ça fait nous grand plaisir. Nous saluons Guito Blanchard, qui toujours avec nous, qui dit qu'elle remet et littéralement nous aider Normil Rameau avec Bandio qui en est dans le pays d'Haïti. Mais nous persistons, by support nous persistons, by aide nous. Depuis nous, volonté à bon côté Normil Rameau, à information que nous avons, la permettre que Normil Rameau vive efficace avec travail. Nous saluons Fanny Moïse, qui toujours avec nous, les personnes. Ça fait nous grand plaisir. Nous saluons Van Juan Francisco et Miton qui toujours avec nous. Nous disons merci en pile. Nous saluons Marie Tanis qui rejoint l'équipe là. Ça fait nous grand plaisir. Nous saluons et Messenti Delson qui toujours avec nous. Ça fait nous grand plaisir. Merci mon frère parce que vous rejoignez l'équipe là. Bob Denis qui toujours avec nous. Nous disons merci en pile parce que il voyage avec nous dans le cadre émissionnaire. Nous saluons Paul Sidney. Merci en pile Paul Sidney. Nous saluons Pierre qui toujours avec nous. Blaise Fesson. Nous disons merci parce que vous toujours au Mène. Et bonsoir. Merci parce que vous toujours avec nous. Nous voulons parler de Isnac. Même qui est pratiquement à France, qui toujours mentionne. Nous saluons Pierre Fortius, qui toujours mentionne tout. Nous dit, Mounsayo, merci en pile pour le choix intelligent que vous faites. Elinor TV, République Dominicaine, qui toujours avec nous. Ça fait nous grand plaisir. Chaque fois que nous regardons, ou toujours brancher, ou toujours quitter commentaire. Nous saluons Joe Etienne, qui toujours avec nous. Marie-Matt Bruno, qui toujours avec nous. Blessure, nous dit, Mounsayo, grand merci. Nous saluons Bito Ronald, qui toujours avec nous tout. Nous dit, Bito Ronald, merci pour écoute à fidélité avec Message Nouvelle, Blaise Info, pour une nouvelle. Sac Nouvelle Racine, Nouvelle Haïti. Nous saluons Marie-Claude qui pratiquement rejoint l'équipe là. Blaise Peterson. Désir Venesque et bon, c'est que nous prenons parti pour une très belle émission. Mais ça m'a dit que m'apprendre que gagne ambassadeur Gandhi Thomas qui se présente à Haïti, ambassadeur pour un petit bouton Haïti dans OEA et ambassadeur Kenyan dans États-Unis, la Zarus, au Amaïo. Yo siyen yon accord sous statut mission multinationale appui sécurité ak Haïtien journée vendredi 21 juin 2024. Ça veut dire en plus moun ta pose question qui pral statut mission ça MMSS là parce que pas oublier en 2004 te gen Nations Unies te gen MINUSTA et il était kon statut te konnen c'est ton mission onusienne que l'teye mais pas oublier que mission k ap vini la pas mission onusienne. Il faut connaître clairement si que yo vini là dans pays et yo ta commet des dégâts qui pas cadré avec ça gagne comme mission et qui ça prend comme décision et c'est là que en pile défenseur des droits humains
et c'est là en pile acteur politique et c'est là en pile moun ta poser question pour connait statut mission k'ap vini en Haïti hein. Puisque c'est Kenya lui-même qui pral prend tête mission ça, ben c'est normal que ambassadeur Haïti et Ponti Boutan en OEA et qui c'est Gandhi Thomas mais li rive signer ça relé et ben avec ambassadeur pays Kenya qui lui-même dans États-Unis qui c'est Lazarus Omai Amayo mais yo signé yon et accord sous statut ça. Et ben en plus moun trouvé que c'est une très bonne décision pour que il te un accord te signé pour que on capable connaître qui véritable statut et mission MSSA. Mais j'aime toujours dire m'a clairement dit. Je dis hein m'pa pral faire un débat de mission qui vient en Haïti ou pas. Comment que ça? Parce que m'pa vle que nous étaptan une mission. Je dis hein li clairement que nan sa Haïti trouvé là que autorité concernée yo gouvernement koni là conseil présidentiel yo yo doit dégager ou koumet Jean-Jacques nan bay moyen avec nouveau déchet la police non nan bay la police en moyen ba mzel konsa pito et nan bay l'armée a moyen et pour que yo même en soi yo défini de stratégie yo travers sous des plans de sécurité avec tout monde qui connaît comment que yo capable bay bou radio pour yo commencer travail et penser à un plan de sécurité et permettre que yo porter réponse avec ça gla comme insécurité. Puisque des plusieurs conseils étaient dit que yo pral mettre campé KNS là Conseil national sécurité hein. Moi rete quoi que c'est faut que yo travaille sur ça sérieusement et rapide pour que ensemble yo travaille dans créer KNS là dans mettre le campé et pour comment définir yo plan sécuritaire et qui permettre que yo agisse sur question insécurité parce que toujours dit ça ici hein. Résoudre insécurité hein li pas seulement à mener des opérations pour démanteler et neutraliser bandi yo non ça me clair sur ça. Lycée premier point, t'as bien ça me dit hein. Lycée premier élément pour nous résoudre dans situation et sécurité à pays qu'on est là. Mais li pas seul point qui capable résoudre insécurité. Non. C'est-à-dire faut que y ait un organe, faut que y ait une entité qui créée et qui pral réfléchir sur ça relé situation insécuritaire en Haïti. Ou même pas dire sécurité physique seulement. Situation insécurité en Haïti, lycée insécurité physique, les gars zamyo, et moun kap alimente kenye le bandi avesyo, kap fè zam ak katouche kant kyan nan ghetto, c'est-à-dire, yo tout fait partie situation insécurité là. Et niveau grand goût mise kyan nan payan, li kontribye tout nan insécurité physique kyan nan payan, mais faut l'ingade insécurité alimentaire en tout, qui se ou l'autre gros mousso en dedans. Ensemble insécurité à insécurité alors situation insécurité grand pays. Donc je dis hein l'important que organe que nous mette campé KNS là qui pral travail dans tête collée avec la police là et l'armée d'Haïti gouvernement conseiller yo ensemble pour réfléchir sous un ensemble plus bon formule qui permet que yo porter réponse rapide avec question insécurité physique là et porter réponse avec tout l'autre ça gagne comme problème comme insécurité en pays. Je dis à moi tendez syndicaliste du club béninois. Qui lui-même c'est responsable MUT qui c'est mouvement unifié transporté haïtien. Je dis hein les gars des secteurs transport en Haïti. Lycée ou dans le secteur qui prend gros coup aujourd'hui. C'est normal que pour tout syndicat lycée, mandé avec DG Ramon Omil pour que li agit et yon même bat un ultimatum de 15 jours. 15 jours à trop petit. Ma gade réalité. Ma gade réalité à moi-même. Parce que, ma vle moun yo dit, c'est quoi le moun qui bat dit bon, et comment faire nous dire 15 jours à trop petit, puisque c'est monsieur qui est moyen, mais non. On a la réalité. Ouais, moi-même. Dès qu'a même dit 15 jours, même 3 même. Ouais. Ça, c'est. Je vais expliquer samedi. Ou pas obligé d'accord avec moi. Dès qu'a dit que 15 jours, les mêmes 3 même. Pour que
ta gen déjà une réponse, un signal qui voyait by nek armé yo. Parce que on garde bagay la clair. Organisation criminelle vivent ensemble qui est papier dans divers côtés en dans pays hein? Et surtout dans région métropolitaine non. C'est non on joue yo capoter pays hein? C'est bien ça. Yo planifie. Oui. Yo planifie le blaze. Yo parle de yo parle de non. Yo planifie. Désir de ça m'a dit mais qui t'aime venir? Qui t'aime venir désir? Qui t'aime venir? Si que bandi yo des capacités pour planifier. Vous savez, mes amis, hein? Si que bandi yo des capacités pour planifier dans un jour puis chavirer pays, hein? Eh bien, qui dira la police, qui dit à la Médaïti, qui dit à l'autorité concernée, yo, qui c'est de professionnels de la matière, ça veut dire, yo ka planifier ça dans un jour tout. Mais kounya, ou pral dim, pour planifier ça, nan bay réponse, dans un jour, dans deux jours, dans trois jours, dans cinq jours, dans dix jours, et dans même quinze jours ultimatum, que Dieu le bénisse soit bay lan, que le possible et le réel, et le capable de faire tout, en gade, en sérieux, si vraiment il y a autant de moyens, bon, attendez, ça m'a dit à bien des amis, attendez, ça m'a dit à bien des amis. Et ça m'a dit à comprendre bien. Et ça que m'a demandé avec tout le monde qui a connaissance dans la question sécurité, dans la question armerie, l'ordre public, je dis, hein, pote connaissance ou, by autorité qui l'a eu. Quelque soit ta vivre en Haïti, quel que soit à l'étranger. Mais debout c'est haïtien ou conscient de situation de sécurité d'Haïti qu'on est là et ou t'a avec que les résoudre, eh bien chercher de personnes interposées pour tes connaissances ou pour tes sorgue comme expertise ben autorité en Haïti. Ça me dit clair sur lui. M'a besoin qu'on est qui côté t'es campé, nan qui que l'on t'es campé, nan ça va être intéressant moi-même. Ouais, ça va être intéressant. Bah, je connais sous TPHT, car sous Laval, sous ça va être intéressant. Depuis que ou gué de connaissance, ou gué de expertise, que nan question sécurité armerie en d'un payant, bah, connaissance ou. Parce que je vous dis, hein, nous pas être d'accord que Haïti a péri comme ça. Ok. Ça me dit, attendez bien désir. Est-ce que si on a autant de matériel, m'a questionné ça. Par contre, combien chablende pour tabay, par contre, combien mais est-ce que si vous bay matériel a de quoi désir venir? C'est bien ça, m'a dit. Hein? Matériel a de quoi désir venir? Et zami internautes, moi, d'accord, bon, d'accord, par avec. Si vous mobilisez, ça m'a dit, attendez bien. Si vous mobilisez, par contre, si vous avez quantité matériel, ça, non? Si vous mobilisez, à la rigueur, même 7 à 8 chablende. Son exemple m'apprend, oui. M'a dit ça, non, son exemple m'apprend. N'importe 7 à 8 chablende. La police et l'armée. Yo voyez dans Badelma. Elle dit, yo plat. T'es bien ça, m'a dit, oui. M'a regardé d'abord, et aspect physique et intervention au mode opératoire. Là. Aspect matériel et physique. Exactement. Oui, m'a connaît si ça me dit, si quantité est raisonnable. Mais c'est juste, m'a regardé. Anti-mobilisé. Yon 8 chats ou 9 chats blindés, ou 10 chats blindés. Yon voué nan Badelma. Yon mobilisé, yon même quantité chats blindés ça, yon voué subi sa tenir là. Yon dit, yon mobilisé un 5-6 chats pour pénétrer dans le village de Dieu. Yon mette la, comment l'éclamé, oui? La marine haïtienne. La marine. Sous le mer. T'as bien ça, m'a dit, hein? Et yo bloqué tout axe de sortie, monsieur Villagio, avec une quantité de 7-8 chats, pas de le choix. Elle dit yo était en dedans. Yo bloqué, yo entré en dans ravine, non? Pas bisatenaire. Yo bloqué pas en l'air dans la zone ou de da en l'air, pas en l'air tête yo. Yo fait même ça pour Mariani, et alors pour Fontamara. Yo utilisé même stratégie ça pour Mariani. Yo utilisé même stratégie ça pour la mort sans jour à tout nek comment chez méchant en plein nan et Jeff en plein nan désir ou mal croire me sauver nan avant même 15 jours si la police déterminée la police qui matériel il y a bail résultat mais à noter
à noter. Une bagarre qui prend le plus important à côté de l'effort, à côté de matériel, c'est service de renseignement d'informations que vous devez gagner à temps. Ouais, ça, c'est vraiment important. Ça veut dire, faut qu'il y ait une information en temps réel et qu'à permettre que, attendez bien, qu'à permettre que, eh bien, pour la police pas prendre des embuscades et pour la police pas faire courater. Ça veut dire, si il y a volonté vraiment désir, si il y a volonté politique et si il y a matériel adéquat, que y'a pas la meilleure. Yo ba la police différentes unités spécialisées qui formées pour mener des opérations gen là en ce yo désir. Avant elle a c'est 455 et jeunes policiers policiers qui intégrés différentes unités oui et qui étaient déjà spécialisées. Et qui étaient déjà comme si gen de nek ak femme qui étaient solide dedans oui parce que bon mon bagaille Gimbri, GBLTS, Gimboyd, Geswatim. OK? Gen Udmo, Gen Simo, GBLVV. C'est des unités polyfront, c'est des unités t'a permet que mener de passer pendant que y a fait pénétration opération en dedans ghetto yo mais polifront qui c'est police frontalière a contrôlé frontière yo tout désir on m'a dit me sauver c'est vrai que mon ami il te dit li pas praler rapide il va praler lent tout il praler bien mais si y a volonté politique et si on a autant de matériel et la police non yo planifié yo travaille yo étudié plein d'opérations yo m'a d'accord avec désir dans 15 jours même 3 même pour que conseil qui commence vrai pour qu'ils ont sécurité on pas obligé d'accord avec et quel que soit moun qui a regardé me capitaine de là si d'accord avec dis nous d'accord avec et si pas d'accord avec dis pas d'accord avec on regarde pas qui était deuxième galbao gardez muscadin l'elle mettait la patte son nègre et prend nègre là. C'est service conseillement Muscadé, oui. Qui va Muscadé information depuis dans déplacement nèg là, oui. Depuis côté nèg a déplacé. Et ben yo qui t'a ba Muscadé information sur nèg ça, oui. Ça veut dire et même gens, bon, si Muscadé comme commissaire gouvernement Miragouane, grain lui même avec 2-3 agents sécurité gain avec elle. Li gain information temps réel pour le capable river sur ensemble de nèg armé, la police qui gain plus pi gros moyen dans elle, qui gain pi gros capacité dans elle, on pense que capable plus pi bon résultat. Ça c'est compréhension pam, c'est l'étude pam. Green Muscadé avec 2-3 agents simo policiers qui dans doule, OK? L'a gain formation en temps réel, li mette pied la terre, l'a checker busio. Et le Muscadé ça avec un green blindé. Un green blindé que diaspora ba li la ba résultat comme ça oui. Un green blindé, mais si la police gain autant de blindé dans mel, elle gain bon gain formation en temps réel. Y a pas résultat bagarre la vraie. Et m'a dit aller à désir. L'aime dit que secteur et transport en haïtien, c'est un secteur qui peut toucher, pas menti. Parce que je dis là, on regarde pas qui clair. N'attend de changer mais qui t'a parlé. L'idou comme ça et moi c'est sous du bien non là. C'est 18000 dollars. Alors 90000 goudoui que nèg yo mandé pour camion qui a passé sur route là. 90000 goud. Il était 70000 goud autrefois. Nèg yo mettait à 90000 goud. Comme gen pile haïtien dans diaspora capitaine qui va trois contre goban goud, vous comprenez parce que pour me comprendre ça très bien, il va trois contre goban goud. C'est comme d'a dit j'aime me dit dollar haïtien bien que pas gagne non, mais il t'a dit dollar haïtien, dit 18000 dollars haïtien. Pour me comprendre pas gagne dollar haïtien non, mais pour me aider mon comprendre ça me dit. C'est 90000 goud. Et ça la cause que en pile dans chauffeur obligé camper que pas qu'à travailler. Et en pile dans les cap fait transport en commun yo café et ville provinciaux bus qui nan meyo an c'est sous contrat ou prendre c'est dire yo ki pou yo faire comme machine nan pou yo ba mettre machine nan comme pendant journée an pou yo faire payo an et comme si l'homme de ou nek tout comme ça ça va le faire quand il a fait moun pa voyager encore c'est insécurité fait moun pa ka voyager encore mais nous nan moment vacances ça c'est un bel moment oui frère pour en pile moun ki va au prince voye ti moun en dehors oui et moun ki en dehors ta porte au prince tout. C'est bel moment tout désir. Pendant vacances là, tu as un pile affiche bal cap fait dans tout porto prespecto en ville oui. Et qui t'a pas permettre que l'argent entre dans l'économie pays hein. Jodi an, insécurité qui tout problème ça yo. Donc jodi an, m'pense que ultimement un petit bail avec Ramon Normil là parce que Ramon kon job là très bien. Il t'a dit ça hier, il a accepté reprendre job là dans un contexte qui est difficile. Il kon job là bien. Il dit Ramon kon tout ça pour le faire. Et qu'on tout ça le besoin comme moyen
si effectivement que gen volonté politique la kay gouvernement, la kay conseil présidentiel yo ki ap ka ba résultat. M'pa konnen si nan 15 jours la possible pour ki ta ba résultat. Mais moi konnen que si vraiment gen volonté, ta dwe gen résultat ki ba nan question sécurité des Ivoiriens. On va avancer. Très bien, Blaise Peterson. Sur question 15 jours, et c'est pas parce que m'pa d'accord avec vous. Mais ou essayer garder énumérer en quantité de matériel que la police ta dwe mobiliser. Tant que quantité blindé que vous avez gagné, vous n'y en gardé. Qui quantité que vous avez gagné? Est-ce que quantité que vous envisagez là, est-ce que PNH a gagné ou disponible? Parce que vous avez un ensemble de blindés qui l'a déjà, qui t'a utilisé, qui est usagé, qui presque pas qu'à faire trop gros bagages. Exactement. En pile de policiers qui a fait des interventions ou bien qui a des patrouilles et qui pratiquement a pris un guet avant, c'est parce que blindé n'a pas qu'à rouler encore. Nous jouons ça arrivé dans Matissan. Et ça se trouve dans Delma 18. C'est tout le temps en question de blindé qui a bloqué. Non, mais ça arrive agressif. Tout ce que j'ai l'air de bouler, ça agressif tout. C'est même bagarre là. Très bien. Kounia, faut que nous. Et ça, comme nous, question 15 jours, il n'y a pas suivi, il n'y a pas correct, il n'y a pas cadré. Parce que France LB, qui était là, qui était tout dégât qu'il a eu, il méritait que Normil Rameau qui vient là pour lever tout piège qu'il a monté sur eux. Parce que le matériel qu'il vient, il faut qu'il y ait des techniciens. Et technicien qu'elle pourra le mettre pour faire vérification, c'est des techniciens qu'elle besoin de confiance dans eux. Des gens qu'elle connaît, qui va pouvoir le venir dire que tout bagarre ok, et puis tout bagarre pas ok. Vrai. Parce que, non, niveau pas, Normil Rameau, il est technicien dans la question ZAM. Ok, parce qu'il fait métier des ZAM. Mais, dans ça qui lie avec question mécanique des véhicules, il va pratiquement connaître. Il faut que blindé bien fixé, pour qu'il n'y ait pas de doute, les déplacer, que l'opération blindé pas qu'elle éteigne dans la route, blindé pas qu'elle baille problème. Qu'on y a un gars de sous-quantité blindé que vous essayez donc d'envisager. Est-ce que la police a une capacité pour mobiliser 5 blindés ou bien 8 blindés dans la Cité Soleil ou bien dans Matissan? Est-ce qu'elle en même temps, elle a la même capacité pour mobiliser 8-5 blindés dans plein nan, côté la Mont-Saint-Jean? Je ne crois pas que la police a une capacité ça. À part de ça, tout le pays a trouvé dans une situation difficile côté bandit pratiquement en 5. Le pays a, et ensemble policiers. Mais on a quoi même désir si la police, parce que c'est pas blé, n'est pas blé, bandit, yo, du bagage clair. N'est yo dit, yo, go slogan, et tout le monde connaît, c'est vivre ensemble, maïon, maïon, tout. Donc, si la police a mette focus sur Badelma, exemple, on prend ensemble avec vous. Moment, la mette focus sur Badelma, l'autre, n'est yo, appelé, vécu, appelé, côté, yo, mais quoi, c'est tout, c'est tout permet que, comme si, mais yo, tout font voter boué. Même je n'ai côté pour voter boué, 29 février, la police, quand même, fait voter boué sur tout, net, ensemble. D'accord, vous, ou correct, jusqu'à présent, Kounia, est-ce que matériel, matériel, ou pas, oui, oui. Parce que, son jeune homme, il était dans la tête de la police déjà. Il était quitté, c'est parce que tu as un problème matériel qui t'est posé entre lui-même avec Joseph Jout. Joseph Jout te mettait en question compétence et capacité et volonté dans le Rameau pour te bas résultat en dedans de la police nationale d'Haïti. Mais, dans le Rameau qui met position, il disait parce que pas de balle, il n'y a pas de balle matériel nécessaire. Tourner dans le Rameau, tu as dit qu'elle gagne des conditions ou bien matériel yo a vini, mais malheureusement, sinon il a mette l'ancien ça, vini avant matériel yo, li kal nan problème. Li pral nan problème, li pral vraiment, trouvel nan situation qui est extrêmement difficile pour le résoudre problème ça. En gade, nan planification administrative yo, Blaise Peterson. Nan mi la movin la, li vin jwenn yon administration, kel pat la dan, ki fait bon directeur ki chita, ki pe kale, ki sensé fin krasé, ki perdit confiance, ensemble, yon nan yon pa fait l'autre confiance. Normil Rameau pral besoin prend plus que 15 jours que ultimatum qui est balia pour rendre que chaque policier qui en dedans chaque unité yo yon confiant de l'autre yon fait l'autre confiance pour avancer pour les policiers pral dans opération bien dans intervention pour pas quoi que frère d'amnia kabal bal nando. Faut qu'il entende pour faire ça, ça c'est un nan gros travail préparer niveau psychologique et mental policiers yo pour montrer que aucun responsabilité pour bail sécurité en dedans pays c'est pas job l'autre monde lié c'est eux même qui pour faire parce que yo touché pour lui c'est vrai yo touché un salaire misérable mais yo besoin au moins que des garanties notre travail yo si yo victime dans cadre travail là faut mieux pas arrêter des bras balancés faut qu'il cap prouver policiers ça parce que gon paquet belle promesse qui fait avec policiers déjà ouais tout ça yo il prend pratiquement prend plus que 15 jours que n'a parlé a yo ensemble des commissariats qui n'ont série des zones stratégiques qui important qui pas des policiers là-dedans yo li pral besoin pour Normil Rameau faire étude des liens pour garder avec moun yo qui dans communauté a est-ce qu'elle possible pour reprendre contrôle commissariat service renseignement Normil Rameau pas ka vinn fonctionner avec même moun ça qui vinn qui dans service renseignement la police li pral besoin chercher des moun ouais tout ça la situation yo pas 15 jours. Il n'y a pas 15 jours. Eh mais, Désir, je vais parler là, Désir, mais ça veut dire là, et je ne sais pas comment il y a un résultat.
Non, je ne sais pas ça, non, frère. Non, mais pas comme miracle. Non, je ne sais pas ça. Oui, 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 oui. Le jour qu'on fait là, tu dis. Le jour qu'on fait là, c'est de logique administrative. Je suis d'accord. Mais ça qui est là, ouais, pile, ouais, ça qui est là, désir. Bon, c'est que c'est mobiliser les troupes d'abord, tu dis bien. Je ne sais pas vous dire tout ça, dire que je suis d'accord avec vous. Et c'est permettre que vous confiance qui placez. Non, mais t'as frère dame qui prend mener opération dans blende yo. Non, zone. Pour ne pas connaître que, ne qui bon côté là, mais femme qui bon côté là, que li pap, li ou dimanche, que pendant que l'on blende yo, li pap communique avec bandi qui li pap mener opération. Ça veut dire, d'abord, c'est ta confiance, ok? T'as bien confiance, non, mais t'as frère dame qui prend mener opération yo, parce que, pas oublié, 3, 4, 5 policiers qui en doublent de pas mener opération, yo obligé, c'est 5 bon partenaires, oui. C'est bon partenaire. Oui, okay, c'est 5 bon partenaire parce que sinon, parce que si que j'ai une situation difficile, la vie ne dépend de l'autre. Exactement. C'est obligé, c'est 5 bon partenaire, 5 bon frère d'âme. Elle dit, pas obligé, Nadila, et Raïsman n'a mis de l'autre. Et mettez-vous tout dans la même condition de travail et au même traitement. Par exemple, si y a une prime de risque qui est réservée, mais pour nek sa ou avec femme qui prend la blende parmi nos personnes, elle dit, tout doit jouer le même traitement. Les nègres qu'on est que, comme si, l'in a blindé ça, c'est blindé par l'an qui prend tel côté, mais l'in connaît que nègres qui avaient lieu, mais femmes qui avaient lieu, il y a pas de résultat, vous comprenez? Il a protégé la vie l'autre. Ça, ça c'est le plus gros bagage que Rameau besoin fait là. Et parce que, mais tout ça, on dit là au bord des questions et administration, mettez, ça, eh ben, après, frère. Honnêtement, ça va après, m'bab d'accord pour ce point ça. Blaise. Ça, il y a une urgence, désir. Il y a une urgence. Et parce que, job détail, là, désir. Comme c'est pas gagné pour moi, t'es moi, métabolisme. Vous comprenez? Moi, je connais que, monsieur Bral Besu, pour le passer, mais dans la police, dans la tête chaîne commande, là. Monsieur Besu, parce que, monsieur est certain, malgré tout ça que nous sommes capables de plein d'eux, et vous commandez que, LB tap dirigé, hein. M'bak après tout le monde qui était dans le commandement LB, hein, comme si, comme des monde qui pas de travail résultat. M'sap contre tout le monde qui travaille résultat, la rapidement font travail. Parce que, depuis là, m'sap installé vendredi 21 juin, m'sap commencé à mettre au travail. Donc, c'est rapidement une opération. Parce que, problème administratif, oui, on a besoin de résoudre. D'accord, il faut résoudre. Mais si c'est eux-mêmes qui ont primé avant, pendant cette urgence là, je dis là, et non désir. Parce que, jusqu'à présent, cada 3 agents UTAGIO, ils et sans fil. Ça dit yo qu'elle prend yo toujours. Blaise, moi-même, moi garantis que moi à coup, n'a pas les mêmes causes, n'a pas gardé bagarre dans la même dimension, mais n'a pas les on l'autre gens. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Normil Rameau vini, touche au tout bouquet, il décide de dire adelante le bras faire opération. Sans pas maîtriser sa gain, Blaise Peterson. Non, m'a dit ça. Il y a une situation 24 fois plus difficile. M'a dit ça. M'a dit pour l'amener. M'a dit ça. Mais désir, ou même job, moi, m'a dit tout à l'heure, oui. Elle dit. Ça fait moins deal, c'est parce que m'a dit qu'on ramène l'opération, t'es chaud, m'a dit ça. Mais Rameau, kon institution, hein. Rameau, kon institution. C'est pas un monde qui fait venir dans le job, hein. Li kon institution. Ça fait 4 ans de Roblesse. Oui, mais attendez. Configuration pratiquement changée. Pendant que fait 4 ans de Roblesse, désir, li a su sa capacité en Haïti, hein. La besoin pour faire lecture, pour le garder, mode d'opératoire, déplacement gagnant, qui stratégie gagnant capable d'utiliser, la besoin du temps pour le monde qu'elle fait confiance, pour faire infiltration, non, mais t'as un gang qui est plus puissant, qui pourrait permettre qu'elle bat résultat. Jusqu'à là. Il y aurait pas ça, l'hypothèse bouée, blessé personne, ou pour aller beaucoup plus policiers qui pourrait mourir dans 4 opérations. On a fait, Rameau pas jamais mieux effacer ce qu'on dit là, parce que Rameau était passé dans des CBJ. Rameau compte tout ça, yo. Et ça, ouais, ça, yo, désir. C'est pas ni moi-même, ni moi-même capable de prendre ça, yo. Rameau était passé dans des CBJ, comme dit le tribunal judiciaire, et il était bien résultat. Rameau était parce qu'il fait un dans la police, non? Dit, ensemble de faces énumérées là, il connaît. C'est vrai, c'est vrai, pendant 4 ans, il a changé. Mais aspect technique, face à ça, il connaît. Je ne pas dit, bien. Je ne pas dit que l'ultimatum 15 jours, on va entrer là-dedans. Mais je dit que Rameau, comme un franc technicien, et qui était passé comme directeur de la police judiciaire, et qui t'est passé comme directeur général de la police. Elle dit, Rameau contre côté. Elle te dit bien, il accepte de prendre un job ça dans un contexte qui est difficile. Elle dit, s'il accepte de prendre un job ça dans un contexte difficile, et il connaît qui ça doit être comme matériel, comme moyen, il te fait battre bravo, et bravo pardon, pour chef gouvernement, pour président conseil, là, parce que il y a une garantie pour le matériel, eh bien, il y a là, qu'il y a le matériel. Je dis dans 15 jours. Mais moi dis, si il y a volonté, hein, ouais, insécurité, hein, nèg yo a commencé à voir un signal, bandi yo. M'a dit avec Rameau que insécurité pas le kaba. Non.
Moi dit que problème là li plus que insécurité physique là. Problème là plus que ne ki gen zam an dan ghetto, moi dit ça désir. Mais kounya comme tout attente moun yo, c'est vrai que yo débloqué grand axe routier nou yo, c'est vrai yo débloqué routier nou. Non, c'est vrai que en bas d'elle m'a libéré, c'est vrai que en bas la ville l'a libéré. OK, moun yo c'est ça besoin d'abord. C'est là au besoin un signal d'abord pour commencer voyer. Mais c'est pas ça seulement qui pral éradiquer, qui pral éliminer sécurité des Yvenes. Très bien. D'accord. Non. Ça dit là moi-même. C'est la porter même parole là, mais moi-même m'a essayer garder parce que m'a garder un geste qui gain là. Très bien. Moi-même on pratiquement a évité pour ne pas gagner plus policiers qui sous bras oh, monsieur Damio dans conseil présidentiel transition sous pointette monsieur Damio qui dans gouvernement connu hein. C'est ça fait que vous besoin respecter les promesses les mots envers la police parce que vous tendez Edgar Leblanc fils qui dit il a accompagné la police dans niveau renseignement parce que renseignement c'est un des plus gros outils dans tout combat toute guerre que vous avez fait c'est information qui aide guerre pratiquement river franchir étape ou bien atteindre objectif que pays qui a attaqué a ou bien pays adversant pour qu'a briser qu'on est qui gens qu'il doit camper. Je dis à bandi yo qui pratiquement entend yo prend un bon parti en dedans pays a, un bon parti dans département l'ouest péria dans région métropolitaine non. Yo gagne des stratèges, yo gagne des monde qui a réfléchi dans mitan yo. Exactement. Qui sorti dans institution policière là qui pratiquement a connait qui gens yo doit activer de telle ou telle attaque ou de tel plan que la police va préparer pour yo parce que vini Normil Rameau yo connait Normil Rameau vini avec mission pour venir éradiquer gang dans pays là. Si Normil Rameau ta gon l'autre mission mon cher m'a dit Normil Rameau moi regrette ça pour lui maintenant déplacer pion que nous Gaïkoni a pensé dont on fait là ou les personnes Gaïkoni montré quelque volonté politique là c'est quelque pas jambe gain depuis un bon bout de temps pour question opération policière yo. Rendre que recommande dans la police là si nous fin faire épuration ça ou les victimes dans la police là nous permettre que tout policier en confiance y a mettre en condition de combat pour attaquer parce que nous ouais dans rentrer 455 policiers ça dans diverses unités spécialisées nous t'en ensemble slogan qui a partagé tant que boy lui dit touye un boy ou mêler OK depuis pas touye pas venir dans boy là et tout le monde connaît qui ça boy tant veut dire. Si ça boy te fait, les boy te sorti. Policier besoin encadrement. Pendant Normil Rameau vini là, moi m'ta bien aimé. Dans quatre missions qui ont dit qu'il y a parlé là, qui déjà gagné des matériels. Tant que des hélicoptères qui permettent que la police. Il faut que nous pas ignorer ça gagnant. Qui fait gagner yo pas être puissant comme ça blaise. C'est parce que autorité gouvernementale, judiciaire et policière yo ignorent capacité d'action gang yo. Yo ignorer et puis de ignorance là lui permet que gang la vin plus grandi lui permet gang la faire plus dégâts dans pays là ça qui est là dans tout grand pays les zak banditisme ça yo k'ap prendre sens dans des quartiers yo relé guerrier urbain nous pas cap ignorer parce que ça k'ap fait là c'est des actes terroristes k'ap fait dans pays là c'est pas bail si bandi ça est terroriste parce que les Antonio yo contrôlé yo bon parti dans pays là yo kidnappé yo violé yo détourné camion marchandises. Yo fait toute qualité exaction, yo saisi édifice public, yo met édifice sou yo et personne pas ka dire rien. Je dis à la police qui pratiquement gon problème psychologique qui a frappé yo parce que les regarder, voyant garçon, voyant femme qui pratiquement dans la police qui gen volonté pour yo affronter dans dernier rigueur criminel assassin yo pour permettre que yo rende que la paix publique li régner. Eh bien, ou après, directeur départemental ça qui vient volontaire, il connaît qui va le transférer. Sinon, il ramo pas ka bay directeur départemental et inspecteur ça garanti. Li k'ap fè travay li, li même Jean chef CSPN nan. Bay non il ramo le plein pouvoir pour agir dans nan la police depuis pas mal agir. Et organisation k'ap défend droit moun yo. Si yo pa fon fermer bec, yo mete mizo nan bouche yo. Pour yo suspend a parler des massacres parce que yo connaît côté réseau criminel ça ou là a fonctionné là, a fait massacre sou moun. Li mérite que n'gardel ou après Normil Rameau, li pa li te mette accent sou ça côté le mandé collaboration. Organisation qui dit a défend droit moun yo, li mandé collaboration. La presse qui pratiquement c'est un handicap, OK? Qui c'est un gros handicap pour travailler la police parce qu'en pile là yo garder question désinformation ou après directeur général la liberté action sur question désinformation en pile dans moun yo gang yo investi gros l'argent gang yo investi gros l'argent non ça qui gè pour avec communication yo fait bataille communication ou après que gang yo tellement intelligent il a fait une bataille psychologique OK
dans la bataille psychologique, ils permettent un pile policier de affronter. Et c'est dans la bataille psychologique gang qui permet un pile policier de river quitter le pays, un pile policier de démissionner. Est-ce que Kounia, ou déjà mettre les policiers ou en confiance, montrer au 1-2, nous parler pour nous en combat, tant que je dis là, si on blende 4 quitter un poste pour le déplacer pour l'autre côté, c'est 2 frères partenaires, 5 frères partenaires, 4 frères partenaires qui pour la donne. Qui gagne garantie, libre à opérer la vie. Frère Dam n'y a dépend de lui et la vie parle dépend de Frère Dam qui est dans Dolia. Nous besoin entendre pour nous faire ça. Et je dis à la police qui n'a attaqué hier, c'est parce que nous rentrons trop dans politique. Faut que nous mettions un mot entendre pour dire noir sur blanc. Et puis, quelle position? Apprendre, dis pas à la jeune hier, sourire et l'autre font ensemble des promesses. Promesses pas arrivées, ils pas atterri. Mettez la population au courant. Parce que nous déclarer pour la police que nous avons, c'est la police communautaire, nous devons entendre garder avec la police. Garder avec la communauté, développer synergie, police-population, qui permet que nous gagnions vraie information pour nous attaquer danger. À part de ça, Blaise Peterson, si c'est précipité pour aller chercher, mettre causé à travers les ondes, pour permettre que vous fassiez l'opinion publique plaisir, eh bien, on est à coup, Nomi Ramo, il peut-être qu'il regrette qu'elle devine donner un job là. Nous n'avons pas qu'à attendre, c'est vrai. Nous n'avons pas qu'à attendre, mais combien de temps que l'insécurité a gagné? C'est donc regardez. Ils sont échelle, si je regarde le département de la Cameroun, ils sont échelle 7 à 6 l'année. Depuis que je suis kidnappé, violé, tué, fait toute qualité d'exaction sur mon lieu en dedans département. Est-ce que vous pensez un bon matin, on mira à une fête? Tout ça qui bien, tout ça qui réussit, ouais, tout ça qui n'est pas planifié, les personnes. Li à 80% pour jouer un échec. D'accord. Depuis le pas bien planifié. Mais depuis le bien planifié, ça a privé une erreur. Mais on a réussi quand même dans sa coupe gain pour faire. Ça fait que nous-mêmes, nous croyons que. Non, mais là, il est venu là, il veut comprendre quel prend job là dans le contexte, dans une situation qui est extrêmement difficile. Côté gang, il a multiplié. Côté gang, il est plus criminel en d'un pays. Eh bien, il gagne pour laisser donc regarder avec ensemble, messieurs d'Amio, qui n'ont pas encore la police. Parce qu'ils n'ont pas qu'être mauvais anguilles. Ils n'ont pas encore la police. Capacité, non, mais là, il gagne. Capacité technique qu'elle gagne, qu'elle t'a utilisé dans le DCPJ, pour utiliser dans le commandement de la police, pour faire épuration stratégique, dans le commandement. Et téléphone. Téléphone dans mes policiers, ils sont en danger dans quatre opérations. Exactement. Dans quatre interventions que vous allez faire. Parce que c'est eux-mêmes qui planifient. Si les gars, ils prennent le combat, ou planifient une intervention ou une opération, ou convoquer tout les gars dans l'espace, pour que tout téléphone par les pièces qui ont accès avec communication téléphonique. Et nous, Amil Ramo, besoin d'entendre pour prendre contrôle de la radio-communication. Yes, exactement. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Sont des ordres. Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils prennent contrôle? Exactement. Qui piratent, sont des ordres. Il y a besoin d'entendre. Monsieur, il y a besoin de techniciens. C'est le premier bagage. Non, mais là, il y a besoin de faire. Blaise Peterson. C'est entendre quelqu'un, lui prendre contrôle, lui essayer de regarder, lui nettoyer et ensemble des channels ou bien board qui permettent communication faite à travers la radio-communication. Laisse ça pour le cap vérifier les informations qui ont sorti en dedans la police. Si c'est nek qui dans le commandement qui planifie, qui met le dehors, ou bien si c'est nek qui dans le CSPN qui a mis le dehors pour entraver la police, pour montrer que la police est incapable. Parce que les gens sont programmés pour montrer la police incapable. Pour le café, force étrangère capable de venir, parce que vous connaissez la force étrangère, vous pratiquez des quotas, vous pratiquez des quotas et par là dans ce pays n'a fait. Nous besoin de nous garder pays dans l'autre dimension, dans l'autre angle, et laisse ça, qui a fait fierté, tout haïtien, laisse vite son. Bon, désir, moi c'est que je te dis, et Zami qui a regardé l'émission aujourd'hui, il y a eu fait analyse, commenter par parce que là, et oui, nous pas qu'attendre. Est-ce que Nabay Ramou avec alors. Chef chaîne commande de la police, non. Conseil présidentiel, yo. Bon, conseil présidentiel, yo, n'est-ce déjà sous des mois là, yo même. Oh, ça veut dire, que t'as perdu plim là, dans ces mois là. Eh, 25 avril, bah ça, 25 avril, tu t'es prêté serment, installé tout. 25, mais fait 2 mois, mais t'as l'air dans 25. J'ai dit, n'est-ce que 2 mois là. 2 mois, beaucoup moins, essayé qui est réglé. Yo fait, bah, essayé, blesse. Ah, yo fait là. Ça bon, négocier l'argent. Bon, oui. Négocier ce paquet d'argent pour mettre en poche. Il n'y a pas fait bail sérieux pour nous, il n'y a pas fait bail sérieux pour le peuple, mais il n'y a pas fait bail sérieux pour tête. Il y a fait bail sérieux pour organisation, association, parti politique qui te voyait dans le conseil présidentiel. Bon, oui, il y a fait vrai parce que dans 18 mai, il y a décaissé combien de 90 millions de gouttes pour voir 3 conseils, mais des conseils à l'an nord. Il y a fait conseil combien de millions pour faire un bail marché dans le pèlerin. Il y a dégagé l'an fort Jacques, ça veut dire, il y a décaissé l'argent. Et question, il y a décaissé 1 milliard de gouttes. Déjà des hypobassinismes. Qu'est-ce que c'est déjà? Bon, nous, à chaque commune, on fait ses activités par ensemble. Et que nous avons continué à gagner. Quel côté là? Il n'est pas possible, c'est pas un mec qui a fonctionné là, Thibaut de Blaise. Tout
tout agent exécutif yo dans maro. Et puis mes gars qui vinn là, il estime que nèg yo té dans le conseil présidentiel transition, té gata fait ticop ba yo. Eh ben il entend faut le faire nèg qui dans gouvernement a fait ticop ba yo tout. Dans déjeuner retraite et discussion que pral faire dans hôtel yo. Mon cher, bam du bagage qui clair. M'gampil acteur politique qui parle ensemble avec moi. Yo gardé déjeuner retraite que équipe connie lui-même a fait avec équipe Lyon. Et en pile là que ça parle avec moi, regardez bagarre la supplice ang. Yo dit que oui c'est bon parce que ministre yo ne beaucoup connait vraiment. Ça dès qu'arrive c'est des qui connait expérience de travail comme si et individuel comme si en tant que ami partenaire professionnel. Mais là à titre autorité non seul gouvernement non pouvoir dans tête un pays, li mandé pour comme si tout le monde ensemble quatre familiariser pour yo connait qui est une lotier. Elle dit, il y a un petit peu comme ça. Il y a un petit peu, c'est normal parce que, imaginez, Désir, oui, Désir avait fait émission des années. Et Désir n'a collaboré longtemps, ça veut dire, Désir qu'on aime bien, qu'on désire bien. Et ça veut dire, on dit tout, il y a des bagages de vie privée, Désir qu'on connaît, il y a des bagages de vie privée, Désir qu'on connaît, mais partout, bagages, m'a connu, Désir qu'on connaît de moi, tout, dans vie privée, nous. Mais en termes de collègues de travail, ça veut dire, nous comptons tout bagages comme si, Désir compte tout ça, m'a de capacité professionnelle, de même vous désir. Mais qu'on y a, mettez-nous ensemble pour que nous fassions travail ensemble, non? Ça sont l'autre bagaille. Parce que femme apprend tolérer Désir dans les bagailles que l'abdi. En même temps, tout les bagailles Désir abdi, je ne suis pas d'accord avec. Mais c'est pas comme pour me avec. C'est pas jouer pour me jouer. De même pour Désir tout. Ça, c'est normal que deux journées de travail comme si permettent que les ministres travaillent ensemble pour une et à penser sur bagaille pays, hein? C'est bien. Mais, je dis, mais là, à faire deux journées dans un hôtel en Pétionville. C'est combien de milliers de dollars américains qui vont décaisser? Ça, c'est ça sont l'autre dépense qu'ils vont aller. Est-ce que, bien que je dis là, tout côté qui a servi comme édifice l'État, je dis à qui en bas la ville, bandit prend en bas la ville là, n'est-ce pas qu'à là dedans? Mais il y a de gros bâtiments l'État là qui a servi que vous faites déjeuner avec ça. Parce que déjeuner avec là, vous obligé de faire un côté dormi, vous faites dormir dans l'hôtel là, non? Je vais te donner un désir. Pour que ça pas fait dans la ville d'accueil, Blaise Peterson, même si vous faites diverses grosses cérémonies dans la ville d'accueil. Et ça m'a dit, elle m'a arrivé, Désir. Elle m'a arrivé. Ça veut dire que deux journées de travail, il va obliger ces noms hôtels que tu as fait selon le donné que c'est un nom gros hôtel dans Petionville, yo, yo, ça c'est loué pour faire deux journées de retraite. Vous comprenez? Parce que, il y a un petit peu de temps. Gagne qui profite là avec Tibou Boutio un petit plaisir mais gien moun ki wè yo te ka fè deux journées dans la villa d'accueil comme je dis c'est là plus aller villa d'accueil et résidence officielle PM nan Musso qui face à face avec villa d'accueil yo te ka faire là tout parce que yo te ka commencer un service de travail d'une 10h du matin yo relâché à 4-5 après-midi tout ministre à la caillou à nan bureau et la caillou après ça retourne demain matin encore il va obligé pour aller louer un hôtel dans petite mission ça que nous apprendre. La, l'État pas gagné. Parce que Gary Conny, si vraiment j'en dis, qu'il a mené une bataille contre la corruption, et chaque 6 centimes qui a sorti dans la caisse, l'État doit contrôler, mais normalement, ça, est-ce que gagne de quoi dans ce moment-là pour t'al décaisser de grosses sommes d'argent pour allouer un hôtel dans Pétionville? Là, je pense que il était capable de réduire, il était capable même éviter. On dépense comme ça pour que selon un peu le monde, vous devez son dépense inutile que vous avez utilisé, soit villa d'accueil ou dimanche que vous avez utilisé, résidence officielle PM dans Kinamiso. Mais il y a un acteur qui dit tout de suite à l'heure, jusqu'à présent, il y a un acteur qui dit Gary Conny, vous commencez par les trop. Gary qui dit moi, je commence par les trop. Qui donc, je dis, vraiment commencez à mettre tout au travail. Vous commencez à mettre tout au travail, c'est dit qui ça? C'est d'abord vous essayez contre question insécurité. Vous essayez contre question insécurité, c'est le premier bagaille. C'est bien, vous visitez Kaye Payan, c'est bien, ok, mais vous dites là, tout ça, vous faites, vous dites là, vous ne pouvez jamais sentir que vous travaillez dans l'intérêt du peuple. C'est pratique pour vous. Il y a beaucoup de gens qui vous voient comme message pour le peuple, sentir vraiment que vous voulez un bagaille. Des conseillers là, pour le monde, pendant deux mois, là, si vous présentez le bilan, là, bilan beaucoup, regardez, bilan beaucoup même un an, ça, comme si, comme résultat, comme réponse que vous avez. Qui donc on nous dit, il dit Gary Conny, est-ce que le pral fait même je pour l'entrer dans la même spirale, dans le même sec, dans la même ligne que le conseiller pral est là? Qui donc permet que c'est PD parler,
et pas gagner un Québec comme résultat des Yvonnes. Bon, moi-même, on croit que ensemble de monde qui essaie donc de balancer chaque position yo, ça qui dit la fête Villa d'accueil pour permettre que ministre yo pratiquement familiariser yo ensemble, directeur général yo familiariser yo ensemble, qui va permettre que yo bail plus bon résultat. Li correct, li était important pour te faire ça. Mais éviter que l'argent dépensé parce que nous gagnons docteur Gary Koni qui vient là, qui dit la réduit sous quantité l'argent que l'État dépensé. Mais à travers le programme, ça, nous pas 40 ans, nous avons proposé pour gagner l'argent qui a dépensé. Est-ce que l'espace hôtel, ça, yo essayé de choisir pour yo gratifier mon nom par rapport avec ce qu'il bail, pour venir avec ça gain là, et comme gouvernance, et 9 présidents, et qui a négocié dans nos peuples, jusqu'à présent, depuis les là, on n'est pas jamais descendu. Moi, je souhaite que c'est pas ça qui est lié, parce que chaque gouvernement, yo entend, yo descend tant pour rivière. Chaque rivière vient avec sable, vient avec gravoye pour permettre un groupe monde jouer une opportunité pour fonctionner pendant masse défavorisée. Hein. Peuple a capable de tenir action, par exemple, jeune homme qui vit jeune homme et ouais, commune, département, il a toujours trouvé une situation qui est extrêmement difficile. Nous besoin garder volonté qui gagne bon côté chaque autorité. Yo. Et puis, si ça a fait, il a fait déjà une décision, ou autant de critiques qu'elle absorbe. Là, on bien pour décider dans ce sens-là encore, ou essayer de décision non sens qui va permettre que moun yo pa wè, c'est gaspiller l'argent qui pral fait, c'est plaisir qu'on pral rendre. C'est vrai qu'il y a besoin de l'action, mais il y a touché dans l'État, il y a moins l'argent, là, on a besoin de détendre, on a besoin de détendre. D'après tant, après deux journées de retraite, ça, retraite de travail, que vous gagnez, vous y allez passer dans l'hôtel, ça, des personnes, tourner, il y a venu avec un bilan, et le bilan, il y a dit, nous, qui ça que, il y a besoin de positif, dans planification, dans chita parler, dans dormir ensemble, qui rêve que vous fait, au profit et de la République de Sud-Sud. Bon, c'est que, bon, il s'est bien rêve. Marc, on est, il s'est bien rêve de tout ça parler, mais de toute façon, il s'est bien rêve. Il s'est bien rêve, il s'est bien rêve. Nous t'avons demandé de qui j'en ai dormi pour ne pas te faire rêve. Bon, bien que nous comprenons, nous acceptons que ça vient là comme problème, comme situation, et c'est le moment pour demander plus de concentration, ok, plus de concentration pour nous garder comment que. Pour une petite réponse avec ensemble de situations que Bébaïsa a prôné là. Désir Benesse, bon ami, pourquoi on a été touché un point, côté que nous dit, c'est pas oublié. Priorité nous jouons de mettre accent diaspora. Ok? Et, je ne pas oublié que nous comprenons l'un des diaspora ici pour le seulement États-Unis, Canada, la France. Non. Ou bien Chili, Brésil. Haïtien, qui c'est de manière cette diaspora? Haïtien. Mais c'est haïtien qui est en dehors du pays. OK? Ça veut dire, ma parle à Zami, Zami qui tape des émissions, qui tape garde émissions matin, qui a fait vérité. Lady Blaise, est-ce qu'on est toutes sortes de casper là? Parce que nous dit, je dis, si vraiment il y a des conditions qui créent la caille dans Haïti, diaspora, grand pile haïtien qui est à l'étranger, qui a tourné Haïti, qui va vivre Haïti. Même bien dit, oui. C'est pas et pas condition cosmétique non condition comme si qui réel et éradiqué ouais il va comme si mon en descend après 5 6 ans 7 ans 10 ans nous tenons même bagarre encore non elle dit de vraies conditions qui réel qui permet mon en lui-même que les capacités en confiance côté lien hein? Et puis il m'a dit tout les mon en connaît qui accès s'il malade l'a gain accès pour aller à l'hôpital quel que soit le privé ou bien public. Il ne peut pas penser comme si il faut gagner l'argent, bien l'argent, s'il ne peut pas gagner l'argent avant de mourir. Parce que, en pile pratique, l'hôpital en Haïti, surtout l'hôpital privé, c'est l'argent avant de opprimer. C'est-à-dire, au lieu de mourir dans la vie, après, il prend l'argent, mais c'est l'argent pour gagner avant. Et l'hôpital, là, je suis allé là, c'est l'argent pour dégager, pour décaisser avant, il faut dans la salle, pas qu'on est salle du, je suis allé. Dans un grand pays, tant que même la Saint-Domingue, l'arrivée, il a pris pour bon soin avant, et puis après ça, l'argent vient après. Gè bon infrastructure routière qui a fait bon route. Depuis gè route, m'am dou bien. Depuis gè route, ap gè développement, ap gè investissement. Parce que depuis gè route, n'a pas peur pour l'investir comme si vous le mettez en gros market, pour le mettez en pour mettez en gros entreprise, en gros hôtel dans telle zone parce que le connaît, ap gè accessibilité pour moun ça à pour moun vin dans hôtel ça. Mais kounn a tout. Faut gè sécurité a. Parce que tout investissement faut le faire dans tête frette. Tout investissement faut le faire dans tranquillité. Si vous avez investi millions pour le faire, pour mettre un business campé. Donc, je vous dis, si vous avez garanti que, côté de mettre un business, il n'y a pas de monde qui a vint taxé, pas de monde qui a vint taxé, là, investi. Parce que, ça l'a mettez comme market, supermarché, ça l'a mettez comme hôtel, chaîne d'hôtel, là, mettez comme business, comme bar, comme restaurant, et mais là, créer emploi, là, créer du.